Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Philippe Lefebvre. Philippe Lefebvre, vous êtes passé par le JT de France 2, évidemment. Vous êtes auteur, écrivain. Et si on vous invite aujourd'hui, c'est puisque vous êtes le parrain du Festival international du film sur les handicaps qui se déroule du 9 au 13 février prochain à l'Institut Lumière, là où est né, on va dire, qui incarne, en tout cas, la salle qui incarne le cinéma, l'histoire du cinéma. Juste peut-être un petit mot quand même avant de parler du festival en lui-même. Sur le vocable, le qualificatif handicapé, je crois que vous lui préférez, vous, le terme de singularité. Oui, j'ai toujours dit singularité parce que j'estime que si on estime que tout le monde est singulier, ça donne une chance à tout le monde. Alors, il est évident qu'après, pour des questions de nomenclature, dans une société française qui est très marquée par l'administration et ses pesanteurs, le handicap permet de catégoriser un certain nombre de gens, leur donner éventuellement des aides le mieux possible et le possible. Mais imaginons que nous ayons tous une singularité et ce sera sans doute plus acceptable dans l'idée du vivre ensemble. Je rebondis un petit peu sur ce que vous dites, mais comment on fait justement pour ne pas essentialiser justement tout ça? Ben, on essaye d'être le plus inclusif possible, mais il me semble qu'une simple mathématique peut répondre à la question de l'essentialisation. Il y a en France 9 millions de personnes qui sont singulières, telles qu'on l'a précédemment définie, qui sont en situation de handicap. Donc, on est à. Oui, c'est ça, il y a des millions, il y en a 12 millions, et il y a 9 millions de personnes qui sont les aidants ou les aidantes de ces personnes. Et donc, ça fait quand même une population de près de 20 millions de personnes. 20 millions de personnes sur 70 millions d'habitants, ça signifie quand même par la mathématique que la singularité est beaucoup moins singulière qu'on l'imagine. Alors, ce festival international du film sur les handicaps, dont vous êtes le parrain, il y a eu quand même, cette année, quand même, pour cette édition, 2000 films qui ont été présentés. Alors, documentaires, fictions, films d'animation, courts-métrages. Sur ces 2000 films, alors ce qui est déjà énorme, combien ont été sélectionnés? On en a sélectionné une vingtaine, enfin, tout format confondu, hein, c'est-à-dire, quand je dis « on », c'est Katia Martin-Maresco qui est la présidente et la fondatrice de ce festival qui a travaillé et qui insiste beaucoup pour dire que c'est un festival qui est festif, mais festival évidemment, mais c'est festif. Et par ailleurs, c'est du cinéma et c'est avant tout du cinéma qui est consacré au handicap, en tout cas qui est consacré au handicap, on met le mot au pluriel. Et ce passage par le handicap, ça concerne à la fois les sujet des films, ça concerne leur auteur, ça concerne leur réalisateur ou leur réalisatrice, évidemment beaucoup de femmes et de plus en plus de femmes réalisatrices, pour des films qui sont avant tout, et c'est ce que souhaite Katia Martin-Maresco, qui sont avant tout des films de cinéma. Il s'agit toujours de cinéma et le handicap n'est qu'une considération parmi d'autres de ces films avec des acteurs, des actrices, etc. Mais pas tous. Festival de cinéma, je le répète. Je reviens un petit peu sur nos échanges du début. Jean-Baptiste Richardy, qui est cofondateur de Handicap International, qui est, je crois, qui est membre du jury, disait que le festival invitait en tout cas à lutter contre la condescendance et il parlait d'alibi de l'inclusion. Comment aujourd'hui on fait en sorte pour que le handicap ne suscite pas l'apitoiement systématique? En créant ce genre de festival, c'est une manière de sensibiliser, c'est une manière d'offrir au plus grand nombre possible de spectateurs la possibilité de regarder la singularité dans ce qu'elle suppose d'intelligence, de rapport au monde. Et ce qui est intéressant sur le Festival international du film sur les handicaps, c'est qu'il y a vraiment une grande partie de sensibilisation avec des partenariats avec des écoles et avec l'Université de Lyon, par exemple. Donc, ça, c'est important, la sensibilisation. Et par ailleurs, le public est de plus en plus divers et varié. Et ce n'est pas un public qui serait, essentialisé, comme vous disiez tout à l'heure.
Je vais quand même vous poser, Philippe Le Fay, une question d'actualité, parce que dans son discours de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal a évoqué quelques mesures axées sur le handicap, hein, on parle de handicap, pour simplifier la vie des citoyens concernés. Pardon, il y avait notamment le remboursement total des fauteuils roulants, mais il y a eu pas mal d'associations, je vais les citer, Collectif Handicap ou AFP France Handicap, qui ont exprimé leur déception et leur mécontentement en parlant d'un discours qui était un petit peu vide, ils s'attendaient à mieux, à plus. Comment vous voyez les choses, vous, en tant qu'aussi aidant? Ben, ce que je vois comme aidant, c'est que ça reste à ce jour très compliqué. Et par ailleurs, par rapport à un discours du Premier ministre qui a dit beaucoup de choses, j'ai l'impression que nous ne sommes pas les seuls concernés à avoir été un peu déçus par ce qui est, en l'état, s'apparente à de la communication, et nous sommes tous nombreux, pas seulement les personnes aidantes ou les personnes en situation de handicap, à attendre que tout cela se concrétise rapidement. Entre les mots et l'action, il y a encore une distance qui est à parcourir. D'accord. L'émission se termine, ce sera votre dernier mot. En tout cas, le dernier mot, pardon. Je le rappelle, le Festival international du film sur les handicaps, c'est du 9 au 13 février à l'Institut Lumière de Lyon. Allez-y, parce que c'est vraiment un très beau festival de cinéma. Merci Philippe Le Fay d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. Au revoir, à très bientôt.